العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرفاء وعلى آل وعلى من سار على نهجهم القويم إلى يوم الوفاء بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته رمضانكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير nous allons cette année inchallah et pendant ce mois de Ramadan voir ensemble euh, un titre euh, que nous donnons à cette série d'entretiens que nous allons avoir qui est celui du mois de Ramadan comme étant le mois ou l'école des responsabilités. Ramadan, c'est une école dans laquelle l'humain ou le musulman apprend ses responsabilités. Et les responsabilités de l'homme, quand on y réfléchit, sont de quatre natures. Euh, donc quatre natures pour quatre semaines euh, durant lesquelles nous aurons à échanger régulièrement sur ces responsabilités-là et comment Ramadan nous apprend à être responsable. Vous avez la première responsabilité qui est la responsabilité de euh, l'homme vis-à-vis de son corps, la responsabilité de l'homme vis-à-vis de son âme, la responsabilité de l'homme vis-à-vis de son univers et la responsabilité de l'homme vis-à-vis de son créateur. Voilà quatre responsabilités dont on parlera. Euh, tout au long de ces euh, échanges, tout au long de ces euh, entretiens que nous aurons euh, à passer ensemble. Euh, Ramadan est donc l'école dans laquelle l'homme va apprendre à être responsable. Euh, et il suffit, comme preuve de ce que je vous dis, euh, de lire euh, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque euh, il a à définir euh, le, le, le jeûne, il dit as sawm junna as sawm junna Le jeûne, junna. Et junna en arabe, ça vient de jannah. Jannah qui signifie euh, ce qui cache, couvrir. Ou il a alayhi leilu na comme. Euh, euh, أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه وارضاه في الحديث الذي يُعطي داوود عليه السلام، لما قال صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى: "يا داود كذب عبدي، أو توا داوود مو سارفيتور مو، إذا ادعى محبتي لوسكو يبغى يبكي، وإذا جن عليه الليل نام عني" Alors qu'aussitôt que la nuit tombe, il m'oublie. Aussitôt que la nuit le couvre. Le jeûne est, une, est un rempart. Le jeûne est une couverture. Le jeûne est un par danger, un par tout ce que vous voulez. Si un de vous jeûne, il n'a ni à divaguer ni à dire des grossièretés. Si euh, quelqu'un, lui cherche euh, euh, des poux, comme on dit, euh, soit parce qu'il cherche à le violenter physiquement ou il cherche à l'agresser euh, euh, oralement eh bien qu'ils lui disent qu'il est jeuneur, et c'est quelque chose dont on a déjà parlé et dont on reparlera encore dans cette première partie, dans notre premier entretien. Euh, là, nous voyons que euh, le prophète alayhi wa sallam, nous apprend que ramadan nous apprend à être responsable de nous-mêmes, responsable de notre corps, parce qu'il nous est demandé, n'est-ce pas, eh bien, d'avoir toujours le recul nécessaire par rapport aux passions qui sont celles de notre corps. Et, et les passions de notre corps se divisent en autant euh, de, euh, de, 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 de choses que nous avons de sens. C'est-à-dire qu'en euh, aimant, nous avons cinq sens, et eh bien les passions de l'homme tournent autour de ces cinq sens. Nous avons la passion du toucher, nous avons la passion du goûter, la passion euh, euh, de la vue. La passion de lui et bien entendu euh, 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 la passion de, euh, de, de l'autre sens. Nous avons vu la vue, nous avons vu euh, euh, lui, nous avons euh, vu euh, le toucher, nous avons vu le, le goûter et il nous reste cinq, le cinquième sens qui est celui de l'odorat. Eh bien, les passions, quand on les regarde, on s'aperçoit très facilement qu'elles sont toutes fruits n'est-ce pas des cinq sens? et au-delà, bien entendu, il y a la passion de la rencontre d'un homme avec une femme qui est au fond euh, ce à quoi conduisent les cinq passions ou peut euh, être tout simplement être déduite, n'est-ce pas, de, euh, ce, de ces cinq? eh bien, lorsque l'homme arrive à être maître de ces passions là, lorsque l'homme arrive à être euh, euh, responsable de lui, en ne cédant à aucune de ses passions, eh bien, là, il est en fait, il devient responsable. Et quelle est la pratique qui nous apprend ces, 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 le contrôle de ces cinq choses à la fois Eh bien, c'est Ramadan. Euh, la prière, en effet, le Prophète salam, a dit celui dont la prière. Euh, 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 ne n'empêche pas les organes ou le corps de sombrer dans la turpitude et euh, euh, les choses interdites eh bien sa prière ne sert à rien en effet on peut voir la prière sous cet angle là mais la prière si vous voulez ne donne pas de leçons au ventre la prière ne donne pas si vous voulez de leçons au nez la prière ne donne pas de leçons aux oreilles alors que le jeûne lui, il réunit l'ensemble de ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa a dit dans les propos que le Prophète nous rapporte de lui, le jeûne est à moi et c'est moi qui vais le récompenser. Et donc, la première leçon que nous donne le mois de Ramadan, eh bien, c'est la responsabilité de notre corps. Regardons, comptons-les. Le Ramadan nous responsabilise vis-à-vis -vis de notre corps. Ne serait-ce que par rapport au fait qu'en ne mangeant pas, eh bien, on apprend à ne pas céder à la tentation ou plutôt à la passion du goûter. On apprend à ne pas céder à la passion de, de la vue, c'est-à-dire que je vois de la nourriture qui me plaît vraiment et je ne vais pas le faire. Pourquoi Parce que je me veux responsable et au fond être responsable et c'est peut-être pour moi la meilleure définition, c'est euh, être capable de, de se contrôler. Quelqu'un d'ailleurs qui est euh, euh, complètement euh, pas maître qui n'est pas, pas maître de lui, on dit qu'il est Totalement irresponsable parce que le responsable est celui justement qui est capable de se contrôler. Le fait de me dire il y a à manger là, je pourrais le faire, je ne mange pas, eh bien c'est là la preuve que je suis responsable de, de moi et que ce n'est pas le ventre qui me contrôle. Il y a une bonne odeur d'une bonne sauce ou d'un bon mets qui est à côté que j'aimerais tant euh, goûter, je ne le fais pas, je deviens responsable. Euh, euh, J'ai entendu des gens qui sont en train de parler sur le dos de quelqu'un, je m'en éloigne. Pourquoi Parce que les oreilles, Dieu sait que les oreilles sont friandes des, des histoires, des, des qu'en dira de ceci et de cela, je n'y vais pas. Les yeux aimeraient regarder avec délice telle ou telle chose, je ne le fais pas. Eh bien, nous avons réuni là la, la première leçon que nous donne euh, Ramadan, qui est la leçon de la responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis -vis de notre propre corps. Et de cette façon, nous voyons que les organes de, du sens sont. Euh, consubstantiellement liés aux passions et qu'en contrôlant ces passions, nous devenons responsables de nous parce que nous devenons responsables de nos organes et c'est ainsi que Ramadan nous apprend à être responsable de nous, sauf qu'aucune des œuvres pieuses que l'homme a à faire dans l'islam n'est capable ou en tout cas n'a réuni n'est-ce pas raison pour laquelle nous avons choisi d'aborder dans ce premier entretien la responsabilité que nous apprend Ramadan à travers quoi à travers le fait de contrôler nos sens jara Allah wa iyakum min alladhina al-qawla fa yattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فيك العطايا والاجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور